Salut tout le monde, je suis de retour. Cette fois, c'est comme je vous l'avais dit, un In My Mailbox. Pour ceux qui m'ont suivi, pour mon C'est lundi que lisez-vous, vous le savez. Alors, je commence tout de suite. Alors, je ne sais pas, je me rappelle plus si je l'ai mis dans ma dernière vidéo. C'est un gain de concours. C'est La maîtresse de guerre. Alors, de Gabriel Katz, que j'ai gagné sur le blog de l'ivresse. Je suis très contente de l'avoir gagné parce qu'en fait il me faisait de l'œil parce que je l'avais vu à la médiathèque. Il me faisait de l'œil, j'avais envie de l'emprunter. Et je l'ai gagné. Ouh, merci l'ivresse. Franchement, je suis super contente. Ensuite, mon petit chouchou à moi, ça c'est une de mes réceptions préférées. Il s'agit de Cher John de Nicolas Sparks. Donc là, celui-là, c'est une amie qui me l'a offerte. Elle me l'a offerte tout début du mois dernier, je crois, pas longtemps après le salon du livre. Parce que en fait je voulais l'acheter au salon du livre et je l'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié d'aller sur le stand de Michel Lafon pour savoir s'il l'avait. Et quand j'ai regardé sur internet, ben, le seul moyen c'était de le commander. Et je crois que c'était sur un site à l'étranger, un truc comme ça. Du coup, je voulais pas le faire. Et j'en ai parlé à une amie qui m'a dit ok, je te l'offre, en gros. Donc ma Lolo, ma Boobs. Oui, je l'appelle Boobs. Ma Laura, je te remercie parce que franchement, je kiffe. En plus, c'est beau et en plus, il s'accorde avec mes ongles, mais ça, on s'en fout. J'adore, franchement, c'est mon auteur préféré. J'ai pas mal de ses livres. J'ai lu quasiment tous ses livres. Il y a pas beaucoup de ses livres que j'ai pas lu encore. Ensuite, j'ai reçu, donc ça, c'est de la part de l'auteur. C'est l'auteur qui me l'a envoyé. Il s'agit de Iris, tome 1, Le sourire 34. Donc pareil, je l'ai commencé, je suis au chapitre 2, donc je l'ai commencé quand je suis allée chez le coiffeur en fait. Et pareil, elle me l'a dédicacé, je suis trop contente. Franchement, je suis heureuse. Et en fait, c'est parti juste du fait que j'ai poussé un statut un peu de jalousie sur Facebook parce que je trouvais qu'il y avait énormément de blogueuses à ce moment-là qui recevaient beaucoup de réceptions. Et quand on voit des blogueuses qui tous les jours, regardez ce que j'ai reçu, et qui tous les jours se reçoivent 1, 2, 3, 4 livres quasiment, qui en gros qui se reçoivent toutes les semaines une dizaine de livres, et que nous, bah, on attend désespérément, on ne reçoit rien. À savoir que pour elles, c'est pas toujours des achats, c'est des partenariats, des cadeaux d'auteurs, des lots de concours, et ainsi de suite. Et du coup, j'étais jalouse. Du coup, j'ai posté un statut où je disais que j'étais super jalouse d'elle. Et que moi aussi j'aimerais bien recevoir des livres comme ça. Et l'auteur m'a proposé de m'envoyer son livre que j'ai accepté. Donc je la remercie. Regardez, en plus elle a un nom super classe. J'adore. En plus, regardez la couverture. J'ai un ami qui a dit que... Mais qu'est-ce que Ichigo fait sur la... Donc pour ceux qui connaissent Bleach, je vous présente Ichigo. Grosso modo, c'est lui. Sauf que Ichigo n'a pas les yeux verts. Et ici, ils sont d'un joli vert. Ensuite, là, c'est grâce à une collègue que j'ai eu ce livre. Enfin, que j'ai que je peux compter ce livre parmi ma bibliothèque. Franchement, quand je l'ai lu, je ne me suis pas rendu compte qu'il était aussi gros. C'est aujourd'hui, quand je suis allée me promener, je me suis rendu compte que si, en fait, c'est un petit pavé quand même. Enfin, à part, je sais pas. Il fait que 400 et quelques pages, mais alors il s'agit de Let the Sky Fall de Shannon Messenger. Alors on n'a pas arrêté de me parler de cet auteur, notamment par son livre, alors sa saga Le Gardien des Cités Perdues, ou Les Gardiens des Cités Perdues, je me souviens plus exactement. Et du coup, moi je suis bien contente de l'avoir. Let the Sky Fall. J'ai l'impression que c'est le titre d'un film. Donc comme vous le voyez, il est quand même... C'est quand même un pavé, hein. Et je regardais combien il faisait de pages. Je suis à 400. Ouais, on va dire 500 pages. C'est quand même un beau petit pavé, mais quand je l'aurai, j'ai l'impression qu'il en faisait beaucoup plus en fait. Ensuite, ceux qui auront vu ma vidéo de lundi, vous saurez que j'ai reçu la nouvelle édition de La Quête des Willans. Franchement, je trouve que ça tombe super bien qu'ils l'aient réédité parce que vu que je fais la lecture commune avec l'ancienne édition. Donc je pense que je vais lire sur celle-là, mais je vais me baser au niveau des pages sur celle-là pour savoir jusqu'à quel chapitre je dois lire. Donc voilà, La Quête des Willans. Et enfin, dernière réception, j'ai reçu
La couverture est un peu abîmée, mais j'aime pas vous savez, c'est une couverture en jaquette, donc j'aime pas des masses. Il s'agit du tome 2 de Percy Jackson. Donc j'avais lu le tome 1 il y a quelques mois, voire même un peu plus d'un an, je dirais. Et du coup, ben, je suis un peu. Je pense que je vais devoir lire le tome 1 encore. Je vais devoir m'en faire la relecture, mais comme j'ai le tome 2, je vais pouvoir le lire tout de suite après. Donc là, c'est avec la couverture du film de Percy Jackson. Mais en dessous, c'est qu'une jaquette, comme je vous le disais, et en dessous, il y a la vraie couverture. Que je préfère, franchement, je la préfère, je la trouve beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus classe, je trouve, que la couverture de la jaquette. Donc voilà, c'était mes réceptions. Comme je vous le disais, je risque d'en avoir d'autres, je risque d'en avoir des nouvelles cette semaine, parce que j'ai gagné à un ou deux concours, je crois. J'ai gagné un ou deux concours. Deux, je crois, un autre de l'ivresse et un de, que je me trompe pas, hein, bouquineuse d'accro. Donc il y a les outrepasseurs, ça j'en suis sûre. Et l'autre, je ne sais plus du tout, je vous avoue. Bah, je verrai bien quand je recevrai, hein, de toute façon. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de faire une autre vidéo assez vite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, à part que je vous embrasse et que je vous aime fort. Ah si, je voulais passer un petit remerciement. Pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui commentent mes statuts Facebook sur la page, tout comme sur mon profil, qui prennent le temps de lire mes articles et de les commenter, qui prennent le temps de visiter mon blog, je voulais à vous tous vous remercier parce que grâce à vous, le mois dernier, au mois de mai, j'ai atteint les 1780 visiteurs sur le mois, ce qui est franchement, c'est réellement énorme. Donc comme vous le savez, je fais des petits concours en ce moment, ça fait plusieurs semaines déjà que j'en fais. Actuellement, il y a deux concours en ligne. Il y a le tome Hush, donc ce n'est pas le tome Hush, la série Hush Hush, Crescendo, etc. C'est un thriller. C'est de Kate White, Hush de Kate White. Et il y a le tome 1 de Romantic Obsession. Donc à chaque fois, pour chacun des concours, il y a deux petites questions à répondre. Faites bien attention, lisez bien les questions. En plus, les réponses sont super simples à trouver. Je vous les donne quasiment les réponses. Donc n'hésitez pas à participer, à partager. Et très vite, il y aura un nouveau concours. Je vous laisse deviner le lot. Non, j'ai rien dit, hein. Bon, pareil, là, il y aura des questions, hein. Donc voilà. Donc voilà, merci à vous tous qui me suivez, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables où je suis inscrite. Parce que c'est grâce à vous que mon blog continue à vivre. Parce que je pense que partager avec vous, avec tous les blogueurs, avec tous les gens de passage, c'est ça qui fait que aussi j'ai envie de continuer mon blog. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que sans vous, Psychobook n'existerait pas. Enfin, si j'existerais, mais dans mon petit coin toute seule. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt!